Bonjour tout le monde. Donc là, on se retrouve ce matin dans un étang près de chez moi. Donc on va essayer de pêcher quelques gros poissons. Et si ça va pas, on pêchera le petit. Donc pour ça, j'ai prévu. Là, j'ai la morse sèche. Donc je vais prendre de la fish meal de chez Richard. Et je vais rajouter 2 paquets de terre de somme noire pour que ça fume. Là, je vais faire une amorce noire. Ça, c'est le premier bac. Et dans ce bac-là, je vais mettre du fouille mort, des castors et des asticots et pinky mort. C'est tout ce que je vais mettre dans cette amorce-là. Le deuxième bac, ça sera une amorce de ma composition maison avec de la gazelle. Voilà, une amorce toute fine. Donc, je vous reprendrai après quand le mouillage sera terminé. En attendant que l'amorce gonfle, je vais vous préparer les, je vais vous montrer les kits avec lesquels je vais pêcher. Donc la première, la plus grosse, je vais descendre la caméra pour que vous voyez bien. Voilà. Donc la plus grosse, j'ai préparé un kit fighting pour pêcher au large. Si jamais les petites carpes ou les gros poissons risquent de rentrer. Donc là, je vais pas pêcher trop gros. Je suis en 16 centièmes. Voilà. Jabadine 16 centièmes, le corps est dans 18 centièmes. Avec un flotteur boule de 0,40 et un élastique Drenan creux de 2,1. Voilà, ça c'est pour la première ligne. Le deuxième kit qui va traîner pour le gros poisson, ils ont prévu du vent cet après-midi. Donc, ça sera un LMPC 12 de 1 gramme. Avec une magnifique antenne bleue, j'ai mis une antenne bleue en fibre, c'est une visibilité au top, avec une plombée étalée. Le groupe de plans, un plan 5 cm en dessous, encore un plan intermédiaire et le plan touche. Donc là, je vais utiliser un bas de ligne en 10 centièmes avec un hameçon de 16. Voilà. La troisième ligne. La troisième ligne, ça sera un flotteur Mimi de 0,50. Donc ça sera une ligne un peu plus haute qui va aller, je l'ai réglé pour l'instant, à ras du fond. Donc aussi avec une plombée très étalée. Donc là, je suis en 9 centièmes avec un hameçon de 18. Voilà, c'est pour la troisième ligne. La quatrième que je vais utiliser, donc c'est une ligne à gardon standard réglée à ras du fond avec un flotteur de 0,40, un RS 2 Gold, avec une plombée beaucoup plus massive pour les gardons. Voilà, elle va juste avec un plan intermédiaire, avec un bas de ligne en 8 centièmes et un hameçon de 20. Voilà. La dernière ligne, ça sera pour la bordure, pour pêcher avec ma Browning Silverlag System Whip. Donc ça sera un flotteur maison de 0,40. Et là, j'utilise un élastique hybride Tubertini de 1 mm. Avec une plombée, on va dire, assez massive. Juste le groupe de plans. J'ai quelques plans style. Et un petit plan style. Voilà. Et là, j'utilise pour commencer 8 centièmes. Un hameçon de 22. Voilà, donc avec cette ligne là, je vais pêcher à 7 mètres. Et avec la grande canne, je pêcherai à 11 mètres. Voilà. Donc en attendant que l'amorce gonfle, je vous reprendrai après et on va terminer les mouillages ensemble. L'amorce, elle a fini de gonfler. Donc la fish meal. Donc dans la fish meal, je vais rajouter 2 kg de terre de somme noire. Faut vraiment que ça fume au fond pour attirer quelques gros poissons, on espère en tout cas. Voilà, je la rajoute comme ça parce qu'elle est déjà tamisée, à la maison. Donc on va passer un coup de batteur. On voit ce que ça donne.
Je vais la mouiller encore un petit peu, la terre à sécher. Voilà. Voilà, donc on va la mouiller encore un petit peu. Voilà, donc là il est impeccable. On peut vraiment faire une boule qui va tenir au fond. Donc ça, on va mettre au large. On va contrôler l'amorce de rappel. Donc l'amorce de rappel, elle est juste impeccable. On a réussi à faire une boule, ça éclate tout de suite. Voilà, je vous reprendrai sur la station pour vous montrer les éches.
On va passer à l'amorçage de l'ange. Donc j'ai 6 boules bien serrées et j'ai fait 3 boules qui vont éclater en surface. Allez, c'est parti. Voilà, et je vais mettre 3 boules bien serrées, remplies d'èches à la coupelle, voilà, en plein milieu du tas. Je vous reprends, on va parler un peu d'èches, je vais vous montrer les èches que j'utilise. Voilà, donc des casters, des pinkies congelés, des gauzères congelés, des verres de vase, des pinkies vivants. On met à l'hameçon et ça c'est les plus anciens si j'ai besoin de fronder ou pour le coup de devant. Et pour l'amorce, voilà, là j'ai mon bac pour le large, que je mettrai que la coupelle, je mettrai les èches au fur et à mesure. Et ça c'est mon bac de rappel. Donc je vais commencer la pêche avec la Silver Light à 7 mètres. Là je continue à rappeler constamment. Voilà. Je vous prendrai en cours de pêche d'ici 1h30 à peu près. Là il est 11h, donc ouais, je vous reprendrai vers 13h parce que je fais un petit fast-cout un quart d'heure, 20 minutes entre midi. Allez, à plus tard. 30 minutes de pêche. Là le poisson commence à rentrer en bordure. Là, je suis en train de boire le café. J'avais soif avec tout cet amorçage et tout le déballage. Là j'ai déjà fait une dizaine de poissons bordure. La canne Silver Light, c'est vraiment de la balle. Là on a vraiment le vent d'Est qui s'est levé. C'est Yann qui nous l'a envoyé d'Alsace là. Avec la Silver Light, c'est vraiment génial, il n'y a aucune prise au vent tellement il est fine. Donc c'est vraiment une belle canne. C'est une superbe canne. Voilà, on va essayer de faire quelques poissons. Le poisson, il est toujours là. Et après, on va essayer doucement on va faire quelques passes sur le coup du large pour voir ce que ça donne. Là, ça m'a permis de faire un petit fond de bouillie sur les marages. Le vraiment froid, on avait 5 degrés ce matin chez nous. Il faisait vraiment froid. Et là, le vent s'est levé, là, ça caille. Il fait pas chaud. Il est 11h30 là, mais il fait pas chaud du tout. Ouais, c'est toujours comme ça quand on fait une vidéo, on n'a pas de touche. Quand on fait une vidéo, on n'a pas de touche. Mais ça souffle là. Terminer de boire le café. Donc le premier poisson c'était une petite plaquette. Après des rotangles, des petits gardonnaux. On ira voir tout à l'heure, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, voir ce qui se passe au large. Le poisson, il a quand même du mal à rester.
a quand même du mal à rester. C'est toujours comme ça. Quand on fait un direct ou quelque chose, on n'a pas de touche. On ne peut pas filmer non plus pendant des heures. Une plaquette. Et on va essayer d'en faire encore un et on va couper. Et je vous reprendrai sur le coup du large. Gardons. Allez, encore un pour le fun. Il y a de l'amour dans le bras maintenant. Hop. Le dernier, il veut pas. Allez, gros 5 minutes. Et on va essayer au large. On fait des faces au large. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça caille? Incroyable. Le poisson, il n'arrivera pas à frayer avec ça. À ce rythme-là. J'espère que vous n'avez pas trop de vent dans le micro. Vous verrez ça, je vais écouter un peu après. C'est pour ça que j'ai mis la tente déjà là. Ah oui, il est un peu plus beau ça.
un petit hybride. Voilà, donc je vais continuer la pêche, je vous reprendrai vers 13h un peu plus tard.
Voilà la bête. Voilà, en 14 centièmes, 3 quarts d'heure de combat. Je sais pas combien elle fait, il doit faire au moins 8000. Et elle m'a cassé l'épuisette. Voilà. Voilà, le vent, elle m'a flingué. Voilà, elle m'a trouvé l'épuisette complètement. Je vais essayer d'en trouver une autre. Voilà. Très beau poisson. Un petit combat. Un combat de carpe avec la sphère. Partie, elle est jusqu'au milieu avec l'élastique de 2-1. Je suis toujours encore en 14 centièmes, je ne sais pas si je vais l'avoir. Bon, je coupe la vidéo pour travailler le poisson, parce que sur trépied. Si vous allez le voir, le poisson. Tout le monde, parce que là, je tiens le téléphone, c'est pas évident. Faut que je tire l'élastique en même temps. Et là, il repart. On va pas lui donner trop de mou. On va quand même essayer de la voir. Elle est plus petite que l'autre. Heureusement, parce que... Avec la première, j'avais 3/4 de combat. C'est pas un kit carpe, c'est un kit rivière. C'est un élastique de 1 drainan. C'est avec celui-là que je pêche avec les flotteurs plats en rivière et les gros flotteurs. Voilà le poisson. Bon, je vais terminer le combat à l'épuisette. Voilà encore un magnifique poisson. Un poisson dans les 4-5 kg. Voilà. Comme quoi, avec du fil fin et le bon élastique, on peut faire des gros poissons aussi. Allez. Voilà, magnifique poisson. Des superbes couleurs. Vraiment magnifique. Allez, ma belle. Voilà, je pense que je suis attelé pour la dernière fois. Il est 15h15, j'ai plus l'amorce. Et les carpes, ils sont trop chiants là maintenant. J'ai pas le matos pour. Je sais pas si je vais l'avoir. J'ai pas nous envie de travailler 40 minutes là. Bon, il faut que je coupe, il faut que je travaille la carpe là parce que sinon il va me casser la carpe. Un petit retour, voilà, c'est terminé. La prochaine, ça sera, vous verrez un peu les poissons. Je parle des lignes, je vous les montre après aussi. Donc toute ma pêche, je l'ai faite quasiment avec
un pinky et un caster à l'hameçon. Les casters, c'était phénoménal aujourd'hui. Et l'amorce Fishmill, elle a donné le meilleur d'elle-même. Ça, c'était vraiment top pour la pêche d'aujourd'hui. Voilà, on va aller sortir la bourriche, je vais vous montrer les lignes et go à la maison. Voilà, il est 16h. Là, je vais remballer. J'ai cassé sur une dernière carpe. Elle m'a cassé et m'a complètement défoncé l'élastique de 2-1. Je devrais complètement le changer. Il est complètement plat. Il est complètement rugueux. Je ne suis pas arrivé à la retenir. Voilà, donc j'ai fait quasiment toute ma pêche aujourd'hui avec le flotteur 0,80. Et l'antenne bleue, c'est vraiment top. Les MS LMPC 12, les antennes bleues, ça se voit, c'est magnifique. Voilà, donc avec la ligne de 1 g, j'ai fait, on va dire, 60% de ma pêche avec cette ligne. Quand il n'y avait pas de vent, je prenais le Mimi en 0,50. Voilà, donc là, j'ai fait quelques poissons aussi avec. Mais la majorité, c'était avec... avec l'autre. Bon, je vais pas encore mettre la ligne avant de la remballer. Voilà, là, ils sont dedans. Oh, je remets encore la ligne. Voilà, et entre temps, il y a les carpes qui sont venues. Donc, c'était vraiment, on va dire, les dernières 2 heures, c'était dur. C'était quasiment de la carpe, j'ai quasiment pêcher, allez, on va dire une heure un quart avec cette ligne. Ouais, il n'y a plus d'hameçon, après j'ai un gabarit de ligne. Voilà, donc il m'a cassé, et puis l'élastique de 2-1, il est complètement plat, il est complètement rugueux. La dernière me l'a complètement esquinté. Quoi. Donc je suis arrivé à prendre deux belles cartes, une qui doit faire pas loin de 8000, l'autre elle doit faire aux environs de 4-5 000, mais c'est des magnifiques poissons. Et on a fait 107 poissons au total. Donc sachant que j'ai commencé à 11h ce matin et que j'ai travaillé la grosse carpe, je l'avais dessus pendant 40 minutes. Voilà, donc entre temps j'ai fait une très très belle pêche. Donc on va sortir les poissons ensemble et puis vous pouvez voir, on va lever la bourriche. Donc il y a un peu de bon là. Le chagrin qui veut pas venir. Donc voilà ce qu'on a fait. Donc je vais descendre la caméra pour que vous pouvez voir. Voilà, donc on a fait, voilà, belle brème. Et bien là, une belle tanche. Voilà, du gardon, de la plaquette, du rotangle. Donc voilà, voilà, 107 poissons, il y a un peu de monde. Voilà, donc je vous dis peut-être à une prochaine vidéo. Allez, ciao, je remballe, je vous laisse.